Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant, quelques actualités. Des archéologues viennent de retrouver en Allemagne, près de la ville de Bad Ems, les restes d'un fort romain situé à la frontière nord de l'Empire, à proximité d'une ancienne mine d'argent. Ils ont déterré des pointes en bois enfouies dans les collines. Déjà, en 2016, un premier fort avait été découvert dans les environs, suggérant que la mine était défendue. Une hypothèse étayée par des vestiges de tours de guet en bois et de systèmes de double fossé. Pour corroborer cette hypothèse, d'anciens écrits évoquent un gouvernant romain nommé Curtius Rufus qui avait tenté d'extraire ce minerai en l'an 47, confirmant l'idée d'une protection militaire. Aujourd'hui, à 2 km du premier fort découvert, le nouveau s'accompagne de pieux tels que décrits dans La guerre des Gaules de Jules César, mais aussi de pièces de monnaie de l'an 43, confirmant bien l'époque dont il date. Pour cette raison, les chercheurs ont pu établir que les fortifications identifiées datent d'avant les limes, ces murs établis à partir de l'an 110 et qui servaient de frontières dans l'Empire romain. Selon les chercheurs, la bonne conservation de ces piliers en bois tient au sol humide, tout comme pour les anciennes tours de guet. Des questions restent cependant en suspens, notamment le fait que le premier fort semble n'avoir jamais été terminé. De plus, des traces indiquent que les deux forts ont été détruits quelques années après leur construction, sans que les historiens ne sachent pourquoi. Les runes étaient aussi avancées que l'alphabet latin. C'est la conclusion d'une thèse basée sur des recherches effectuées dans toute la Norvège qui remet en question l'hypothèse selon laquelle les runes représentaient plus une forme de langage oral et moins écrit. L'alphabet runique a coexisté avec l'alphabet latin jusqu'à la fin du Moyen Âge. Dans les années 1400, c'est ce dernier qui a pris le dessus. L'alphabet runique était constitué initialement de 24 signes, mais il a évolué dans le temps et selon les régions où il était employé en Europe du Nord. Jusqu'au XIXe siècle, il fut même utilisé dans certaines régions reculées de Norvège avant de disparaître. S'il était souvent admis que les runes représentaient plus une forme orale qu'écrite de langage, surtout par rapport à l'alphabet latin, un chercheur remet cette hypothèse en question dans sa thèse de doctorat. Johan Bollert a réalisé une étude épigraphique sur de nombreuses inscriptions médiévales à travers la Norvège et comparé les inscriptions avec les différents alphabets. Plusieurs arguments vont dans le sens d'une langue à la fois orale et écrite. Tout d'abord, le contexte d'écriture. Pour les runes, les seules traces se trouvent sur des pierres tombales, tandis que l'alphabet latin a aussi été utilisé pour de nombreux manuscrits. Cela signifie-t-il que la langue latine était plus avancée? Je pense que c'est faux, déclare Johan Bollert, car les inscriptions et les manuscrits ont des formes et des fonctions différentes. Un manuscrit est souvent écrit de manière à pouvoir être lu et compris hors contexte, c'est-à-dire en d'autres lieux et à d'autres moments. Une pierre tombale, en revanche, a été faite pour être placée et comprise localement. Ainsi, le contexte ne décrit pas forcément la complexité. Mais aussi, l'auteur évoque deux autres arguments. Les inscriptions runiques se trouvaient majoritairement près des églises où chaque personne pouvait les voir. Et aucun des saints n'était associé à l'écriture. Ainsi, la compréhension devait forcément passer par la lecture. Le manque de dessin dans les inscriptions runiques montre qu'un degré élevé d'alphabétisation était attendu, explique Johan Bollert. Découverte des plus anciennes maisons fortifiées d'Europe. On ne sait pas encore tout de l'arrivée de la monumentalité en Europe, c'est-à-dire l'apparition des premiers monuments. Il est actuellement admis que tout a commencé durant le néolithique avec le mégalithisme, soit l'assemblage de pierres brutes sans fixation de la structure et les premières enceintes. On en trouve de nombreux exemples en Europe, comme les alignements de Carnac en Bretagne ou les très nombreux dolmens trouvés au Royaume-Uni et en Irlande. Mais où se trouvaient les constructeurs de ces monuments? C'est sur ce quoi s'est penchée une nouvelle étude publiée dans la revue Antiquity. Les auteurs ont étudié plus précisément un petit village appelé le Peu, situé en Charente. Il abrite une enceinte datant d'environ 4400 ans avant Jésus-Christ, définie par un fossé avec deux entrées en pinces de crabe et une double palissade en bois, flanquée de deux structures en bois, éventuellement des bastions défensifs, détaille l'étude. Pour les chercheurs, la proximité avec des sites mégalithiques impliquerait que leurs découvertes correspondent aux habitations des constructeurs. D'autres éléments étayant cette hypothèse ont été trouvés sur la côte atlantique de la France, des enclos datant d'il y a 6500 ans proches de sites mégalithiques. Des découvertes similaires ont été faites en Allemagne et en Angleterre. Le centre-ouest de la France est un endroit parfait pour en savoir plus avec plus de 300 exemples, dont une grande majorité n'a pas encore été étudiée en détail.
Ainsi, depuis 2013, les auteurs de l'étude ont analysé l'architecture de chaque monument, ce qui leur a permis d'établir le site de Le Peu comme unique en Europe Atlantique grâce à sa datation du néolithique moyen, ainsi que l'aspect défensif de son système de fossés et la présence de bâtiments dans l'enceinte. Ils expliquent ainsi que, pour les habitations, les matériaux privilégiés étaient le bois, tandis que la pierre dominait le monde des morts. Enfin, leur conclusion réfute l'idée selon laquelle les mégalithes et les enceintes sont apparus séparément en Europe. Au contraire, ils étaient liés. Nous retrouvons maintenant Philippe Conrad et son invité. Chers téléspectateurs, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Philippe Pichot-Bravard, qui est historien du droit, historien des idées, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Le droit naturel » aux éditions Via Romana, mais qui avait publié antérieurement une histoire de la Révolution française et également une épopée de la Vendée, également aux éditions Via Romana. Alors, Philippe Pichot-Bravard enseigne à l'université de Brest, à la faculté catholique d'Angers, à l'institut Saint-Pédis de Paris. C'est un historien donc du droit et des idées, et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui pour évoquer avec lui tout le débat qui a accompagné la sortie du film « Vaincre ou mourir » qui a été produit par nos amis du Puy du Fou. On sait quelle cabale a été mise en œuvre pour disqualifier en quelque sorte ce film, mais avec un résultat exactement inverse à celui recherché, puisqu'il a accueilli 300 000 spectateurs. Autant dire que la campagne lancée par Libération a été en fait un pétard mouillé. Mais revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à cette affaire vendéenne et à ce qu'elle représente dans notre histoire, dans notre mémoire et dans le débat historiographique actuel. D'une certaine manière, de même qu'Henri Rousseau employait le terme à propos de la période de Vichy, la Vendée, c'est un passé qui ne passe pas, puisque, on vient de le voir, c'est une séquence de notre histoire qui suscite toujours des débats passionnés, d'où la nécessité de faire le point sur cette question et de voir et de critiquer et d'évaluer les différents jugements qui ont pu être portés concernant cet épisode dramatique de notre histoire nationale. Alors, Philippe Pichot-Bravard, peut-être au début, rappelons rapidement ce dont il s'agit, une révolte présentée comme une tentative contre-révolutionnaire criminelle par les responsables de la Convention. Au contraire, pour certains, un mouvement populaire spontané, en quelque sorte, contre tous les excès de la Révolution qui avait débuté en 1789, mais qui ensuite, après la proclamation de la République, a donné naissance à un régime qui va devenir rapidement le régime terroriste mis en œuvre par le comité de salut public dirigé par Robespierre. Qu'en est-il aujourd'hui de la vision que l'on peut avoir des débuts de ce mouvement, de cette insurrection? Alors, le soulèvement vendéen est un soulèvement important, massif, qui couvre environ 800 paroisses, mm-hmm. de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou, à cheval sur le département de la Vendée, qui a donné son nom à ce mm-hmm. soulèvement, le département à l'époque appelé de la Loire inférieure, aujourd'hui Loire Atlantique, mm-hmm. le département, tout le sud-ouest du département, à l'époque appelé de la Mayenne-et-Loire, aujourd'hui du Maine-et-Loire, mmh. et une partie des Deux-Sèvres. Voilà. Ce soulèvement, il est le résultat de persécutions religieuses qui frappaient les prêtres qui refusaient d'adhérer à la constitution civile mmh. du clergé, c'est-à-dire à un statut
rédigé, adopté en 1790 par l'Assemblée nationale constituante, qui visait à intégrer le clergé à la France nouvelle en construction et qui en réalité coupait le lien hiérarchique entre le clergé de France, entre l'Église de France et l'Église universelle. Ce qui faisait que cette constitution était inacceptable pour les prêtres qui voulaient demeurer prêtres. Bien. Condamné par le pape également. Et donc cette constitution a été condamnée par le pape, une condamnation qui a été connue beaucoup plus tôt qu'on ne le dit habituellement. Louis XVI en a été averti dès le mois de juillet 1790. Par la voie diplomatique, et cette condamnation a été publiée au printemps 1791. Oui, voilà. Et donc, l'application très dure de cette constitution civile du clergé a engendré, un peu partout en France, pas seulement dans ce qui va devenir la Vendée, un mouvement de résistance. Alors, humble, discret, qui consiste dans la participation à des messes clandestines, à des messes interdites, qui consiste dans la protection accordée à des prêtres recherchés, qui sont obligés de se cacher et qui trouvent refuge dans des familles qui prennent des risques pour les accueillir chez eux. Et c'est de ce mouvement de résistance catholique humble, discret, pour protéger le sacerdoce catholique persécuté, qu'est né au printemps 1780. Le soulèvement de toute une partie de l'ouest de la France et en particulier de la Vendée. Voilà. Et alors, également, un autre élément, c'est la levée de 300 000 hommes. La conscription. Depuis le mois d'avril 1792, la Révolution est en guerre contre d'autres puissances européennes. Au printemps 1793, elle est en guerre contre pratiquement toute l'Europe. Voilà. À son initiative, c'est l'Assemblée qui a déclaré la guerre, pour propager la Révolution aux quatre coins de l'Europe. En avril 92. Cette guerre, elle se passe mal, elle tourne mal, parce que trois ans de Révolution ont créé au sein des armées une indiscipline telle qu'il est impossible de mener correctement une campagne militaire. Et on manque de troupes pour défendre ce qu'on appelle la patrie en danger, c'est-à-dire, le mot patrie étant un mot piégé, la révolution en danger, et l'on fait appel à la population par une première levée en masse de 300 000 hommes au mois de février 1793, et cette levée en masse, les jeunes gens de l'ouest de la France refusent d'y participer et chassent ceux qui sont venus les chercher pour les envoyer se battre loin de chez eux pour une révolution qui ne leur apporte que des déconvenues et des contraintes. – Et donc constitue le cocktail explosif qui va aboutir au soulèvement de l'Ouest, et notamment de la Vendée. Comment réagit la Convention par rapport à ce phénomène? Car au début, les insurgés remportent des succès. Les Vendéens, et c'est ce qui les distingue des autres mouvements de soulèvement qui ont marqué la France en 1793, volent de victoire en victoire. Il y a toute une partie de la France qui s'est soulevée contre la Convention avec des motivations différentes. Une partie de la Bretagne, le Maine, la Lozère, et puis… Alors, là, pour la défense du sacerdoce, par fidélité au roi, et puis également Lyon, Nîmes, Marseille, Bordeaux, Caen, les fédéralistes, derrière la bourgeoisie modérée, qui conteste la politique de la Convention. Toute une partie de la France s'est soulevée, seulement un peu partout, ces mouvements sont vaincus rapidement. La répression est d'ailleurs très dure, elle est en général proportionnelle à la force de la résistance. Plus la résistance a été longue et difficile à écraser, plus la répression est dure. Bien. Et la Vendée se distingue au milieu de tous ces mouvements par une suite de succès tout à fait inattendus, puisque l'armée catholique et royale de Vendée, derrière Catelineau, Bonchamp, La Roche-Jacquelin, Lescure, Delbé, Charette, remporte de nombreuses victoires et s'empare de toutes les villes de la région, à l'exception de Nantes,
entre le mois de mars 1793 et le mois d'octobre 1793. Or, la Vendée est vraiment la mauvaise conscience de la République. Elle révèle l'imposture du discours officiel. Nous avons une révolution qui prétend être faite par le peuple et au nom du peuple, alors qu'elle n'est pas faite par le peuple, mais par une minorité issue de la bourgeoisie éclairée. Elle n'est pas faite non plus pour le peuple, elle est faite dans le but de faire table rase du passé, de transformer la société, de la régénérer, pour mettre en œuvre un programme idéologique. Et la Vendée révèle l'imposture de ce discours, car en Vendée, ce sont des gens du peuple qui prennent des armes contre la République. Ce sont des laboureurs, ce sont des tisserands du Choletais, des vignerons du Layon. Ce sont d'humbles gens qui sont allés chercher des petits obros dont la plupart, tout nobles qu'ils sont, ne sont que des capitaines, d'anciens capitaines, d'anciens lieutenants de vaisseau. À l'exception de Lescure et du prince de Talmont, aucun de ces chefs vendéens n'appartient à la grande noblesse. Donc ce sont d'humbles gens qui prennent les armes. Le vrai peuple s'est révolté contre la révolution du peuple abstrait. Voilà. Et il s'est révolté non seulement contre la révolution, mais il s'est révolté au nom de la défense de l'ordre traditionnel, pour défendre le sacerdoce catholique et par fidélité au roi. C'est absolument insupportable pour la Convention, il y a là un danger idéologique très grand, et c'est pourquoi, très tôt, la Convention s'engage derrière les Jacobins en vue d'une extermination de cette population vendéenne. Dès le 8 mai 1793, à la tribune des Jacobins, Maximilien Robespierre parle d'extermination de ceux que l'on appelle les rebelles ou les brigands de la Vendée. Il utilise le terme d'extermination. C'est la loi à la main que nous exterminerons nos ennemis, dit-il. Barère, à deux reprises, monte à la tribune de la Convention pour lui proposer des mesures visant à la destruction de la Vendée. Il y a d'abord eu le discours du 1er août 1793 qui a conduit à l'adoption d'un décret de défense de la République visant à la destruction de l'armée catholique et royale de Vendée, à la destruction de la Vendée avec la déportation dans d'autres parties de la République des femmes et des enfants. Pour l'instant, il n'est question que d'exterminer les hommes. Deux mois plus tard, on a, dans l'intervalle, envoyé en Vendée la meilleure armée de la République, l'armée de Mayence, qui s'est fait étriller à Torfou par Bonchamp. Les Vendéens ont ironisé sur cette armée de Mayence, qui n'était qu'une armée de faïence, qui ne tenait pas au feu. Et 10 jours après cette défaite de Torfou, de nouveau, Barère, au nom du comité de salut public, monte à la tribune de la Convention et là, présentant la Vendée comme l'ennemi principal et prioritaire de la République, propose l'adoption d'un décret d'extermination. Et il est question d'exterminer la Vendée avant le 20 octobre. Alors, ça prendra un peu plus de temps, mais le cap est… – L'orientation est fixée. – Est fixée. Et c'est en vertu de ce décret d'extermination que le général Thureau, après la défaite de l'armée catholique et royale de Vendée au Mans et à Savenay au mois de décembre 1793, a organisé le système des colonnes, incendiaires qui devaient, les colonnes infernales qui devaient tout brûler, se saisir des ressources, du bétail, des réserves et passer au fil de l'épée toute la population.
Alors voilà un projet, effectivement, qui peut justifier le fait que l'on parle aujourd'hui de génocide vendéen, puisque le terme fait l'objet de très nombreux débats. Certains parlent d'anachronisme, d'autres y voient la main de contre-révolutionnaires qui n'ont rien compris, rien oublié, qui veulent remettre en cause les fondements de la République. Enfin, les faits sont là, car les massacres, ils ont bien lieu, hein, et on connaît bien sûr celui des Lucs-sur-Boulogne, où sont essentiellement d'ailleurs des femmes et des enfants qui ont été exterminés. – Et des très jeunes enfants, une centaine d'enfants de moins de 7 ans. – Voilà, oui. Le terme génocide, effectivement, est apparu dans notre langue bien après les guerres de Vendée. – Oui, bien sûr. – Mais la politique de la Convention était une politique d'extermination. Assumée, ce sont les termes employés par… la Convention, dans son décret, par ceux qui ont mené cette politique répressive. Les intentions de ceux qui ont mené cette politique sont clairement des intentions génocidaires. Lorsque Franck Castel, député à la Convention, envoyé comme représentant en mission à Angers, aborde la question au mois de décembre 1793, il parle d'exterminer cette race infernale. À ses yeux, les Vendéens appartiennent à une autre race. Alors, que les Vendéens n'aient pas été une autre race de manière objective, c'est évident, mais ils sont considérés par ceux qui mettent en œuvre cette politique d'extermination comme constituant un groupe à part. Voilà. Et une race à part, et c'est là que l'on peut relever l'intention génocidaire des acteurs de cette répression. Ajoutons que d'aucuns, notamment le professeur Jean-Clément Martin, qui tenait la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, Héritier d'Albert Soboul, a voulu affirmer que finalement ce qui s'est passé en Vendée relève de bavures, de dérapages, l'État étant loin et ne contrôlait pas ce qui se passait sur le terrain. C'est un point qui n'est pas exact. Et oui, je vais en donner deux exemples. D'abord, premier exemple, outre le fait que le comité de salut public suit d'assez près ce qui se passe en Vendée, tenu informé par une correspondance régulière, il est représenté sur place. Il y a un membre du comité de salut public qui est prieur de la Marne, qui rejoint la Vendée au mois de novembre, à la mi-novembre 1793, qui suit l'armée de la République qui poursuit l'armée catholique et royale de Vendée aux confins de la Normandie, de la Bretagne et du Maine, puisque c'est à cet endroit qu'il se trouve à l'époque, qui a supervisé la mise en place des commissions militaires qui ont passé par les armes les prisonniers vendéens après les batailles d'Entrain, d'Angers, du Mans et de Savenay. Il est à Savenay, prieur de la Marne, après également la conquête de l'île de Noirmoutier, par les troupes de la République. Il quitte en janvier la région de Nantes pour le Morbihan, où il laisse Carrier agir à Nantes, mais il revient à la mi-février et il est à Montaigu quelques jours avant le massacre des Lucs, au moment où les colonnes infernales sont en pleine action. Bien. Le deuxième exemple, c'est celui de Carrier, qui est le bourreau de Nantes. L'homme des noyades. L'homme des noyades de Nantes, environ 5000 victimes, sans parler ceux qui ont été fusillés, ceux qui ont été guillotinés, ceux qui sont morts en prison du fait des conditions d'incarcération épouvantables qui étaient pratiquées, et dont nous avons des témoignages, et des témoignages émanant de médecins républicains. Carrier rentre à Paris à la mi-février 1794. Il n'a pas été rappelé, il est rentré à Paris de lui-même. Il se présente au club des Jacobins et à la Convention. Il rend compte
de ce qu'il a fait aux Jacobins, il demande à passer le scrutin épuratoire, parce que les Jacobins s'épuraient eux-mêmes. Et il franchit l'épreuve sans difficulté, il est maintenu au sein du club. J'ajoute que Carrier était proche de ce qu'on appelle les hébertistes, les ultra-révolutionnaires, qui ont été éliminés par Robespierre un mois après, au mois de mars, guillotinés le 24 mars, après un procès de nature stalinienne. Carrier n'est pas dans la fournée. Et non seulement il n'est pas dans la fournée, mais il aurait pu, malgré tout, être écarté du club. Il reste membre du club des Jacobins et il n'a eu aucun souci jusqu'à Thermidor, jusqu'à l'élimination de Robespierre. Donc il n'a pas été désavoué. Et alors Carrier, à propos des noyades de Nantes et de son action, on voit comment après Thermidor, on va utiliser notamment Gracchus Babeuf pour faire établir en quelque sorte le dossier des crimes que Babeuf appelle lui-même populicide. Oui. Ce qui évidemment est un terme qui est synonyme de génocide très dans, notre, proche du mot dans notre langage actuel. Le premier à avoir utilisé un terme proche, le mot de populicide, c'est Babeuf qui est un révolutionnaire, et même un révolutionnaire radical. Encore plus à gauche que les hébertistes, puisque c'est notre premier communiste français. Ça, c'est l'homme de la conspiration des égaux qui finira lui-même sur l'échafaud. Il y a une question que j'aimerais vous poser également, c'est votre sentiment en quant à l'importance qu'a connue cette insurrection précisément dans cette région. Il y a d'autres régions de France qui connaissent des mouvements comparables, on le sait, il y a les mouvements fédéralistes à Lyon, à Bordeaux, à Toulon, il y a des révoltes populaires, vous l'avez évoqué, dans le sud-est, dans les Cévennes, dans ces régions-là. Nulle part, ces mouvements n'ont connu une ampleur comparable à ce qui s'est passé en Vendée. Est-ce qu'il y a en Vendée, selon vous, un terreau particulier qui a favorisé cette mobilisation en faveur du clergé réfractaire, en faveur du roi qui a été exécuté, je le rappelle, en janvier 93, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui permettent d'expliquer l'ampleur que prend le mouvement, alors que dans l'ouest de la France, au début de la Révolution, le club des Jacobins, il s'appelait le club breton au début. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui, si nous remontons dans un passé plus ou moins proche, peut expliquer la réactivité particulière que nous constatons là? Alors, la bourgeoisie de l'ouest de la France a été révolutionnaire, la bourgeoisie. Et on voit bien que les sociétés de pensée, pour reprendre l'expression d'Augustin Cochin, sont arrivées à leur fin à Rennes ou à Angers, imposant leurs représentants, leurs noms, et faisant inscrire dans le cahier de doléances à Rennes comme à Angers, les idées les plus radicales auxquelles ils tenaient, c'est-à-dire la Constitution avant toute chose et le pouvoir législatif à l'Assemblée. Voilà, pour synthétiser. En revanche, les populations des campagnes n'étaient pas sur cette ligne-là. Il y a une idée que l'on entend souvent, à savoir que les Vendéens auraient accueilli la Révolution avec enthousiasme et qu'ils auraient été déçus. C'est une idée avec laquelle je serais beaucoup plus prudent. Pour avoir consulté les cahiers de doléances d'un certain nombre de paroisses des Mauges, le cahier de doléances du Pain en Mauges commence comme ça: nous sommes les bons et fidèles sujets de notre bon roi Louis XVI. Et à la Pointe Vinière, juste à côté, nous prions Dieu qu'il ait en sa garde notre roi, notre reine et toute la famille royale. Et je crois même qu'ils ajoutent les ministres. Dans d'autres paroisses des Mauges, il y en a à peu près une vingtaine, on a repris un modèle de cahier conservateur qui avait été suscité par le comte Walsh de Serran et qui se caractérisait par deux revendications: que les 4/5 de la représentation du tiers-état soient réservés au peuple des campagnes, excite les bourgeois,
et d'autre part, que l'on conserve les justices seigneuriales. Il fallait oser en 89 demander la conservation des justices seigneuriales. Eh bien, ces revendications-là, elles sont reprises autour de Saint-Florent-le-Vieil, et notamment la chapelle Saint-Florent, la paroisse de Bonchamp. Elles sont reprises aux abords de la vallée du Layon, du côté de Rochefort et de Saint-Lambert-du-Latay. Ça représente une vingtaine de paroisses. Il y a davantage de paroisses qui ont repris ce modèle-là que de paroisses qui avaient repris le modèle des sociétés de pensée. Et un dernier mot, le poids éventuel de ce qu'avait été la prédication montfortaine. Elle est importante. Au cours des décennies précédentes. Elle est importante. L'Ouest de la France et en particulier la Vendée ont été marqués par cette prédication et d'une manière générale par la prédication de ces missionnaires qui sillonnaient les campagnes dans l'esprit de la réforme catholique tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Philippe Pichot-Bravard, pour tous ces éclairages bien nécessaires pour faire une opinion à peu près impartiale et équilibrée concernant cette insurrection vendéenne. Un grand merci de m'avoir invité. Merci Philippe. Avant de nous quitter et de retrouver Anne Sicard, un dernier conseil de lecture, une bande dessinée tirée du roman de Marc Duguin, La Chambre des Officiers, roman qui fit également l'objet d'un film réalisé en 2001 par François Duperron avec Éric Caravaca et Denis Podalydès. L'histoire est celle d'un jeune officier qu'un éclat d'obus défigure au premier jour de la guerre en 1914. Le voilà devenu ce que l'on appellera plus tard une gueule cassée. S'il échappe aux tranchées, il connaîtra durant 5 ans la chambre des officiers au Val-de-Grâce, une pièce sans miroir où l'on ne se voit que dans le regard des autres. Cette bande dessinée est une véritable réussite, un scénario ramassé qui va à l'essentiel, soutenu par une véritable recherche historique et un dessin précis qui montre ce que le roman ne peut que décrire. Paru aux éditions Jean-Claude Lattès, collection Grand Angle, le scénario est signé Philippe Charlot et le dessin Alain Grand, La Chambre des Officiers. À bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle fois la vie d'une femme de caractère au destin plutôt exceptionnel, mais tout à fait méconnue. L'histoire commence en Avignon, au XVe siècle, avec la naissance d'une petite fille aux alentours de 1478. Son père est Ponce Lartesouti. Il est un homme marié, ambassadeur de la ville et procureur fiscal de son état, et il entretient une liaison avec Thore de Médicis, issu d'une branche de la célèbre famille florentine et dont il aura 4 enfants adultérins. La petite Magdeleine, comme ses 3 frères et sœurs, est reconnue par son père, qui obtiendra, grâce à ses relations auprès du pape, que ses enfants soient légitimés. Magdeleine est une enfant de caractère. Dès 10 ans, elle affirme qu'elle fera fortune. « Dominer, commander, pour m'enrichir à ma guise », déclare-t-elle. Pour le moment, son père souhaite la marier. Ce qui ne l'empêche pas d'initier sa fille à l'art du commerce. Car les Lartesouti ont, comme tous les notables, bénéficié du développement de la ville et de la région, amorcé et conforté lorsque celle-ci était cité papale entre 1305 et 1377. Ponce Lartesouti, comme les Médicis d'Avignon, a le sens du commerce et surtout de la finance. Il sait prêter de l'argent contre une rente, imposer des taux avantageux, traiter avec les personnes influentes. Et il initie cette petite Madeleine à toutes ses affaires. La petite Madeleine tend l'oreille et elle apprend des conversations qu'elle suit avec le plus grand intérêt malgré son jeune âge. Son père, encore une fois, est son professeur. Il lui apprend à calculer, il lui apprend à négocier, à choisir les taux et à surtout se constituer un patrimoine. La tête de la petite Magdeleine enregistre tous ses préceptes. Mais elle vit aussi comme une jeune fille qui appartient à l'élite avignonnaise. Elle vit dans les ors des grands palais construits autour de celui des papes, dans une atmosphère raffinée où évoluent artistes, poètes et musiciens. Elle connaît les promenades dans les jardins, sur les remparts, au-dessus du Rhône, sous le soleil de Provence. Un cadre luxueux dont elle gardera le goût toute sa vie. Pour terminer son portrait,
on l'a dit, non seulement intelligente, mais aussi très jolie et, encore une fois, dotée d'un fort caractère qu'elle tient de sa mère. C'est ainsi que son père la marie au parti le plus en vue de la ville, Joachim de Sade, dont la famille possède château et terres dans les environs et qui exerce de hautes fonctions dans le gouvernement d'Avignon. Très vite, Madeleine ne va pas trouver dans son mariage ce qu'elle rêvait d'y trouver. Son mari se révèle maussade et ennuyeux. Magdeleine va donc se distraire dans le monde. C'est ainsi qu'elle est invitée à Rome par l'un de ses amis, le cardinal Galeotto Fanciotti, qui lui porte un intérêt certain. Magdeleine convainc son mari de partir avec elle. En 1503, les voilà à Rome, dans une atmosphère fébrile et dynamique, où le monde parle de découvertes de terres lointaines, et puis aussi de littérature, de beaux-arts. C'est le temps du chantier de la basilique Saint-Pierre, c'est le temps de Raphaël, de Michel-Ange, la Renaissance italienne bat son plein. Magdeleine continue de se cultiver et d'affermir son indépendance vis-à-vis de son mari et de constater l'échec de son mariage. Un banal fait divers, le vol de quelques bijoux et de ducats d'or dans ses appartements, sans aucune réaction de son mari pour faire rechercher les coupables, la met hors d'elle. Son mari n'est décidément qu'un coureur de dot apathique et ne lui a pas donné d'enfant. D'ailleurs, aime-t-il les femmes? Elle l'abandonne donc à Rome et part s'installer à Marseille. Elle a 27 ans, elle est riche, elle est belle, elle a l'avenir devant elle. Pourquoi choisit-elle Marseille? Parce qu'elle sait que revenir à Avignon ne lui donnera pas la possibilité d'entreprendre les 1000 projets qu'elle a dans la tête. En outre, son mari y retourne aussi, il a été nommé capitaine des gardes de la ville. Magdeleine est ambitieuse, il lui faut une ville à la hauteur de ses ambitions et de ses rêves. Elle veut faire du commerce, elle a découvert à travers ses lectures les nouveaux territoires et les richesses que l'on va y chercher. Cette ville au cœur de ses nouveaux échanges, cette ville ouverte sur le monde, c'est Marseille. Marseille est son port. Marseille qui fourmille, Marseille où de grosses fortunes se sont déjà constituées. Marseille au XVIe siècle, ce sont 15 000 habitants, une flotte d'une trentaine de navires de guerre et des centaines de navires de commerce, de pointus, de gros galions, de caboteurs, de caravelles. La fortune de Magdeleine et ce qu'elle a appris avec son père vont lui permettre de rentrer elle-même dans le jeu commercial. Elle aussi va prendre sa part du gâteau. Mais elle va tout d'abord reprendre son nom de l'Artesotti, puis se renseigner soigneusement sur les équilibres de pouvoir, sur les gens influents, sur les plus puissants commerçants de la ville. Elle étudie les flux marchands et ceux qui en sont les maîtres. Marseille est au cœur des échanges entre l'Europe et le monde méditerranéen, entre l'Europe et le reste du monde. Les marchandises qui arrivent à Marseille y transitent pour être ensuite transportées dans toute l'Europe et celles qui en partent sont emmenées jusqu'en Extrême-Orient, dans les terres lointaines. De nombreux commerçants étrangers se sont installés à Marseille grâce au roi René, qui avait accordé sa protection à tous ceux qui viendraient en Provence pour y faire du commerce. Et en 1480, la Provence a été rattachée à la France, ce qui a contribué au développement de ces échanges. Louis XI, par ailleurs, avait fait agrandir le port. On peut désormais y accueillir de plus grands navires, et en particulier ce prix aux Espagnols, aux Génois et aux Vénitiens. Car tout armateur qui se respecte double son activité de celle de corsaire. Ils arment des bâtiments dont le capitaine est muni d'une lettre de marque qui lui donne l'autorisation de faire la chasse aux bâtiments des nations ennemies. Tout cela, Magdeleine le comprend vite. Elle s'instruit en écoutant et commence à monter ses affaires. Elle achète quelques navires. Elle reçoit dans son salon, tisse des liens avec les personnes influentes de la ville, ambassadeurs, riches négociants, armateurs. Tout ce que compte de notables marseillais passe par les salons de Magdeleine l'Artesotti. On vient car elle est riche, mais aussi car elle est intelligente. Sa personnalité rayonnante et sa gaieté séduisent. En 1516, quand le roi François Ier vient visiter la ville et son port, Magdeleine est là. Le roi et la jolie Provençale sympathisent. On dit même que... Mais là... On n'en avons pas de certitude. C'est lors d'une de ces soirées qu'elle rencontre le grand amour de sa vie. Cela va changer sa vie. Bertrand d'Ornezan, porte beau, il est grand, mince et élégant, il est capitaine de galère, baron de Saint-Blancard et marquis des îles d'Or, autrement dit des îles d'Hier au large de Toulon. Il est plus jeune qu'elle, il est marié, qu'à cela ne tienne, ils deviennent amants. Ils se complètent à merveille. Elle a tout ce qu'il n'a pas. Le sens de l'organisation, le sens du commerce et de la finance. Lui est un homme audacieux qui sait naviguer. Ils deviennent associés. Bertrand lui propose de gérer ses affaires commerciales pendant que lui navigue. Elle va commencer par vendre les marchandises qu'il avait accumulées par ses prises de course. Il n'avait pas trouvé d'acquéreur, elle s'en charge. Elle sait négocier, armer un navire, le ravitailler, placer l'argent, se faire payer, tenir une comptabilité. Lui sait mener un équipage, se diriger sur les mers et monter à l'abordage. Bientôt, la fin provisoire des guerres d'Italie et la victoire de Marignan laissent un temps de répit au commerce, mais revient le temps des guerres. François Ier veut s'opposer à Charles Quint. À Marseille, la flotte de Bertrand d'Ornezan et de Magdeleine l'Artesotti est prête à servir le roi. Jusqu'à présent, rien n'a jamais manqué sur les navires. Magdeleine, encore une fois, pourvoit à tout, prévoit tout. Le ravitaillement des équipages des six galères, composées chacune de 200 à 300 hommes, hommes libres et galériens. Le ravitaillement est assuré. Magdeleine doit aussi se charger du paiement des soldes des équipages, comme de tout l'entretien des bateaux.
Elle dirige simultanément sa maison de commerce et un établissement de guerre. Magdeleine utilise avec habileté les lettres de créance, lettres de change et, ou billets à ordre qui n'ont aucun secret pour elle. À cette époque, la spéculation sur l'échange est un sport en vogue chez tous les marchands banquiers du XVIe siècle. Magdeleine est infatigable et ne redoute rien, même si chaque départ de son amant, apporte son lot d'inquiétudes. La vie en mer est dangereuse et à chaque fois que les navires sont en vue, à leur retour, elle craint qu'il soit arrivé un malheur. Bertrand va aller au Liban, il a été nommé vice-amiral des mers du Levant. En 1521, quand il revient sain et sauf, c'est Marseille qu'il retrouve en mauvais état. Les temps ont été difficiles car la peste a fait des ravages. Heureusement, Magdeleine a survécu. Après la peste, une sécheresse terrible s'abat sur la région. Les récoltes sont mauvaises et elle va devoir se démener pour trouver des denrées à un prix raisonnable. Par la suite, quand Bertrand reprend la mer pour se battre devant Toulon, il est rappelé à Marseille quand les troupes de l'empereur menacent. Tout coûte cher et il fait maintenant un froid terrible. Loin sont les fêtes joyeuses des premières années. D'autant plus que l'affaire tourne mal et les troupes du roi de France perdent le Milanais. Les armées de Charles Quint viennent de prendre Toulon et Aix. À Marseille, on prépare le siège de la ville. Celle-ci est bien défendue. D'abord par ses enceintes énormes, mais aussi par les 4000 soldats et les 8000 Marseillais de la milice qui sont prêts à la défendre. De son côté, Bertrand d'Ornezan a mené la flotte à l'attaque. Tout se termine au bout de 40 jours de siège. L'entreprise maritime de Magdeleine Lartet-Souty et de Bertrand d'Ornezan va continuer pleinement à prendre part aux guerres de François Ier. L'aide qu'ils apportent, l'une en armant des bateaux et l'autre en les dirigeant, ne va pas faiblir même après le désastre de Pavie en février 1525 et durant la captivité du roi. Magdeleine et Ornezan vont construire 4 nouvelles galères et François Ier peut compter en Méditerranée sur un ensemble de 52 bâtiments. Néanmoins, Magdeleine ne fait pas de cadeaux. Elle note tout ce qu'elle dépense, c'est se faire payer sur les butins amassés et gère tout cela de la même main rigoureuse et prudente. En 1528, Montmorency, connétable de France, reconnaît la valeur d'une telle intelligence, d'une telle gestionnaire. Il écrit à Magdeleine pour la presser de remettre à l'eau une galère qui est dans le port de Savone, en Italie. Il la félicite d'être une femme qui sait mettre à l'exécution une chose lorsqu'elle l'entreprend. Quelques jours plus tard, c'est le roi lui-même qui écrit à Madeleine d'accélérer la mise à disposition d'une galère pour Bertrand d'Ornezan. On sent l'estime que porte le roi à Magdeleine. L'année 1528 sera difficile pour les deux associés. Ils perdent des bateaux à cause des tempêtes. Ils font face à des mutineries et les barbares se sont rapprochés de Marseille et gênent le commerce. Mais désormais, Magdeleine Lartet-Souty bénéficie de la protection du roi. Enfin, la paix de Cambrai met fin à la guerre. Le commerce de Magdeleine repart de plus belle. On reconstitue la flotte et rénove le port de Marseille. Bientôt, le 28 octobre 1533, on y fêtera le mariage de l'héritier du trône Henri II avec Catherine de Médicis. Magdeleine Lartet-Souty et Bertrand d'Ornezan y assisteront à des places d'honneur. En 1536, leur fortune est renforcée par l'alliance de François Ier et de Soliman le Magnifique, car elle protège leur commerce des attaques de barbaresques et des Ottomans. Bertrand est nommé vice-amiral des mers du Levant et maître d'hôtel du roi. La complicité entre les deux amants durera presque 20 ans, plus de 20 ans. Mais bientôt, Bertrand d'Ornezan doit s'éloigner, appeler auprès du roi. Magdeleine, patiente, sait que le temps a fait son œuvre et qu'elle a comme concurrente de belles et jeunes nobles de la cour. Mais sa renommée et sa richesse font d'elle une personne exceptionnelle et convoitée. Bertrand l'aime encore et craint de la perdre. Il lui écrit pour la rassurer. Et en 1538, il parle enfin de son retour auprès d'elle. Mais les nouvelles qu'elle va recevoir ensuite ne sont pas bonnes. Bertrand souffre de maux d'estomac. Et il meurt loin d'elle le 19 mars 1539. Peu après, c'est le mari de Magdeleine, Joachim de Sade, qui meurt à son tour. Les relations entre les époux s'étaient pacifiées, ils s'étaient pardonnés. Magdeleine, affaiblie par la mort de Bertrand, décide de revenir à Avignon et de gérer ses affaires de là-bas. Elle se concentre sur ses affaires financières et délègue ses affaires marseillaises à deux de ses neveux en qui elle a confiance. À la fin de sa vie, elle distribue une partie de ses biens à des églises d'Avignon et des environs. Elle meurt en juin 1546 à l'âge de 68 ans. Si les femmes influentes, en particulier dans le commerce, n'étaient pas rares au Moyen-Âge et un peu moins à la Renaissance, la puissance de Magdeleine Lartet-Souty reste inégalée. Elle laisse le souvenir d'une femme passionnée dans tout ce qu'elle entreprend, mais aussi dans son amour pour le marquis des Îles d'Or. À la fin de sa vie, fidèle à son amour pour Bertrand d'Ornezan, elle déclarait « Qui n'aime pas au-delà de la mort n'a jamais aimé en deçà ».